Tu es là, tranquille, dans ton petit canapé. Tu bois ton whisky en regardant la télé. Tu écoutes le JT sur TF1 ou bien sur RTL. Après le 71 et avant une série mortelle. Puis là, on parle de ta ville. Et on t'annonce que des gens vont débarquer dans ton pays par bateau et sans argent. Alors pour le gouvernement, ça se passera pas comme ça. S'ils ne contribuent pas à leur enrichissement, eux, ils se bougeront pas. Toi, en voyant ça, tu t'insurges, tu pètes littéralement un câble. Tu te dis qu'on va foutre des inconnus dans ta ville. Du coup, t'as les boules, mais te fais pas de bile. Non, ça sert à rien de se dire ça. Faut pas se dire que ça ira. Putain, t'as les pétoches, t'as la trouille. Mais tu sais, eux, ils en ont rien à foutre. Oui, mais si ça tombe, ils sont méchants, ils sont cons, et peut-être même chiants. Oh putain, oh t'es dans la merde, mais t'y peux rien, va falloir t'y faire. Voilà, ils arrivent. Tu les vois, tu les observes sortir de ces autobus. Là, une foule foule le sol de ta petite ville. En bon citoyen que tu es, tu sors de ton confort pour les saluer, les rencontrer. Tu te lèves de ton canapé. 1, 2, 3, 10 pas. Non ! Tu n'es pas timbré ! Tu ne peux pas faire ça ! Si l'un d'eux te prend en otage, c'est peut-être des terroristes ? C'est triste. C'est triste d'en arriver là.